désolé, mais je crois que je vais pas pouvoir commencer à parler tranquillement pour commencer ce nouvel épisode de Playmobil Pirate. Parce que la musique est tellement excellente, vous le savez, pour ceux qui connaissent le jeu, oui. Et je suis sûr que même ceux qui sont curieux, vous avez envie d'écouter cette musique-là que l'on entend en fond actuellement. Je suis désolé, je suis obligé de parler là, c'est une vidéo commentée. Donc, re tout le monde, c'est Swifty, vous l'avez compris. Aujourd'hui, on se retrouve donc, vous le savez, à nouveau pour notre série Playmobil Pirate. Une série que vous aimez tant pour la grande majorité d'entre vous. J'ai reçu quelques commentaires, je les ai sélectionnés. J'en ai un qui est particulièrement intéressant. Un commentaire, comme d'habitude, les commentaires intéressants, c'est Mister Hop qui nous les poste. Qui nous dit bah justement, ah, les musiques, c'est vrai qu'elles sont bien. C'est un beau projet d'en parler dans une vidéo entière et de les donner dans une playlist. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, une playlist de l'OST de ce jeu Playmobil Pirate sur DS est maintenant disponible sur YouTube depuis le mois d'avril. Je me suis arrangé pour prendre les musiques de ce jeu et de les poster sur YouTube. Alors, bon, vous pouvez les retrouver, écouter les musiques si vous voulez, les télécharger, etc., faire ce que vous voulez. Enfin, voilà, elles sont disponibles maintenant. Elles ne sont pas toutes encore disponibles, hein, si je me rappelle bien. Il y a aussi quelques musiques concernant les batailles navales qui ne sont pas encore dispo, mais je regarderai ça dans quelques jours, histoire de vous les proposer, histoire que l'OST soit au complet, hein, forcément. Mais les musiques des îles, les musiques principales, quoi, elles sont disponibles, même celles que l'on n'a pas explorées là sur la carte. Alors, Mister Homme nous demande également de faire des épisodes moins longs, comme ça le plaisir sera un peu plus long pour nous. Enfin, pour vous les abonnés, c'est parce que je lis le commentaire, il dit pour nous, c'est pour vous les abonnés. As-tu déjà trouvé une série à faire après celle-ci? Alors donc, je vais répondre à ça évidemment tout en me promenant, parce que l'objectif est quand même de faire des épisodes pas trop longs, j'imagine, parce que Mister Hop, il s'en plaint sinon. Mais c'est tout simplement... Ok, c'est bien trop cher ici, je vais pas passer chez ce marchand-là. Alors, il faut qu'on explore l'île, visiblement. Si on explore l'île, eh ben, je vais tout simplement me taire et vous laisser apprécier la musique qui est en fond, parce que vous voulez savoir ce qu'il en retourne. Allez, c'est parti! Ah, pile poil pour la fin de la musique, super. Et pour ceux qui ont déjà fait le jeu et qui reconnaissent cette mission, je pense que vous vous en souvenez tous, c'est la fameuse mission de la bombe pastèque. J'espère ne pas avoir spoilé dans le dernier épisode. Allez, on place la bombe pastèque du dernier épisode et... Dans mes souvenirs, cette explosion était beaucoup plus costaud et beaucoup plus épique. Mais bon, ça, ce sont mes souvenirs, j'ai pas fait cette mission depuis un bout de temps.
Alors, je me souvenais de cette explosion quand même. Voilà, l'arsenal était détruit, donc tout pirate doit connaître au moins une chanson de marin. Es-tu prêt pour la séance musicale? Sacdos t'attend sur l'île aux dunes louvoyantes. Ah bah ça tombe bien, tiens, on veut parler de musique dans cet épisode, encore une fois, et on va devoir tenter un petit défi de musique. Donc j'espère que cette musique vous a plu, hein, de cette île. Franchement, ça c'est l'une de mes préférées, vraiment. Donc c'est l'île du soleil échoué, pour ceux qui veulent s'en souvenir. Voilà, on repart en mer et on met le cap sur l'île des dunes louvoyantes. L'île aux dunes louvoyantes, plutôt. Donc attention, on va pas se faire taper par les vaisseaux... qui sont juste au-dessus de nous sur la carte, c'est bon. Alors j'espère qu'il n'y a pas de tourbillon ici. Donc oui, je vais répondre aux commentaires maintenant, parce que maintenant que je vous ai laissé écouter quelques musiques, il faudrait peut-être que je réponde à Mr. Hobb. Alors pourquoi je fais des épisodes plutôt longs? Alors, ce n'est pas moi qui décide de faire des épisodes plus ou moins longs, etc. Moi, ce que j'avais décidé depuis le tout premier épisode, c'est de faire un épisode par morceau de carte. Donc vous savez bien que comme il y a 9 morceaux de cartes, le but serait de faire 9 épisodes. Quelle que soit la durée, je sais qu'il y a des morceaux de cartes qui proposent beaucoup de missions et donc des épisodes peuvent être plus longs, mais c'est pas vraiment, enfin je suis pas vraiment, c'est pas volontaire en fait. Si c'est un peu plus long, bah, c'est que c'est normal, c'est qu'il y a plus de trucs à faire dans tel ou tel morceau de carte. Voilà, c'est un petit peu normal. Alors donc pour aller à l'île des dunes louvoyantes, dégage toi, voilà. Bon, il faut slalomer, voilà, entre ces rochers. Enfin bon, il y a plusieurs techniques pour venir, mais moi je préfère slalomer par les rochers parce que je vous montrerai peut-être après l'autre passage qui est un peu plus dangereux. Voilà, je vous laisse écouter la musique, tiens, de l'île aux dunes louvoyantes parce qu'elle est pas mal aussi. Voilà, bon, personnellement quand j'étais plus jeune et que j'ai découvert cette musique en quelque sorte, moi elle me faisait beaucoup penser à une musique de Pirates des Caraïbes, mais bon, ça c'est chacun pense ce qu'il veut, c'est vrai que quand on l'écoute bien ça fait pas vraiment penser à une musique de Pirates des Caraïbes, mais moi c'était la première impression que j'ai eue quand je l'ai écouté étant plus jeune, c'était il y a une bonne dizaine d'années déjà, puisque le jeu est sorti il y a 10 ans. Donc on va pouvoir parler à Sacdos et vous allez voir quel est le petit défi qui nous lance cette fois-ci. C'est un jeu, un mini-jeu qui est pas mal, vous allez voir. Alors on va miser le niveau facile. Touche les notes lorsqu'elles se trouvent exactement au-dessus de la ligne pointillée pour gagner, remplis la barre verte avant la fin de la chanson. Prêt ? Prêt quand vous le serez, Sacdos. Allez hop, stylé comme d'habitude. Oh merde, j'espère qu'il n'y a pas le curseur. Attendez, je vais juste mettre... Il n'y a pas moyen de mettre sur pause ? Si, c'est bon. Je vais juste vérifier avec frappe s'il y a le curseur. Ouais, c'est bon. J'ai caché le curseur, ça devrait pas se voir normalement. Donc, on y va, continuez. Et merde, c'est le stylet qu'il faut. Voilà, donc, hop là. Tiens, je vais vous laisser écouter. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ho 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 ho. Ho 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 ho
Oui, je sais, j'ai fait de la merde sur la fin. Alors, et par contre, je peux vous dire qu'au début, j'ai eu du mal parce que moi, évidemment, je suis sur émulateur DS, donc j'ai dû utiliser la souris à la place du stylet. Mais je peux vous dire que normalement, c'est beaucoup plus facile au stylet. Parce que là, avec la souris, j'ai eu du mal. Limite, c'est comme si ma main droite l'a été paralysée. Donc, par contre, j'ai vu que la barre verte était bien pleine. Donc, à la fin, je vous ai laissé écouter. Si vous vous trompez, parce que le but, c'était d'attraper les notes sur la ligne pointillée. Si vous vous trompez, bah, tout simplement, c'est faux. Et vous avez un singe qui fait un bruit à la place d'un pirate qui fait un petit chant. C'est pas mal. Ils ont bien trouvé quand même l'idée. C'est très comique. Bon, une revanche. Non. De toute façon, c'est un mini-jeu. J'étais sûr que ça durerait pas bien longtemps. Un monstre marin affamé a été repéré. Tu dois le vaincre avant qu'il ne coule un bateau pirate. Allez, on y va. Journal de bord. C'est quelle mission d'ailleurs? C'est combien tième? 55 sur 70 missions. Il nous en reste très peu jusqu'à la fin du jeu. Vous allez voir. Ah bah tiens, c'est juste au nord de l'île des dunes louvoyantes. Alors voilà, bon, vous l'avez compris par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Les épisodes, s'ils sont longs, c'est qu'il y a beaucoup de trucs à faire. Et moi, j'ai envie de dire, je suis très habitué, moi, quand je fais les vidéos, comme les vidéos Lego, comme les vidéos Minecraft Story Mode, je suis très habitué à fonctionner par chapitre, si vous voulez. J'ai pas trop envie, tiens, on va passer par en bas, vous allez voir un petit peu le danger que c'est de passer par en bas. Voilà, c'est soit vous slalomez les récifs, soit vous passez par là, et ça devrait pas être très loin. Voilà, il y a un tourbillon, tout simplement. C'est sympa. Oh la vache! Foncer sur les rochers comme ça, juste après avoir fait réparer mon navire. Voilà, donc par rapport à tout à l'heure, vous l'avez compris, je fais les épisodes en quelque sorte par chapitre, si on veut, et comme il n'y a pas de chapitre dans ce jeu, bah, je vais te dire que les seuls moyens de me repérer pour ces vidéos, bah, c'est de faire l'émission d'un morceau de carte. Et... merci. Et donc le monstre marin se trouve juste ici. Donc voilà, fonctionner avec seulement les morceaux de cartes, ça nous fait un petit peu des espèces de chapitres en quelque sorte. Ah, une musique de bataille navale contre les monstres marins, ça c'est pas mal. Elle est dans l'OST hein, si je ne me trompe pas. Ou alors peut-être non, en fait elle est pas encore. Bon, bref, vous verrez de toute façon. Hop là, vite, feu! Oh merde, j'en ai eu qu'un. Oh, il en a de la vie en plus. Mais par contre, ma cadence de tir sur ce navire n'est pas terrible, je vous l'avoue. Et pourtant, j'aurais pu l'améliorer en allant chez le marchand de bateau, là, tout à l'heure, en faisant réparer mon navire. Ah, super. Là, ça va beaucoup plus vite. Dès qu'on tire 3 boulets canon à la fois, c'est beaucoup mieux. Alors, attendez, il est où? Là. Feu! Oh yeah! Ah non, qu'un seul! Oh putain! Alors, vas-y, t'es où? Ah, je me suis un peu trop décalé, je suis plus dans la zone. Il est où? Ah, il a replongé, c'est pas grave. Et donc, Mister Hop, par rapport à ta question, par rapport à une nouvelle série sur un jeu Playmobil, eh ben, je me suis renseigné juste avant de commencer la vidéo. Ce Playmobil Pirate n'a pas été le seul Playmobil, le seul jeu vidéo Playmobil disponible sur DS. Et d'ailleurs, il n'y en a pas non plus que sur DS. J'ai vu qu'il y avait des jeux Playmobil sur Game Boy, donc un peu plus anciens. Mais pour ce qui est des jeux Playmobil DS, en plus de ce Playmobil Pirate, j'ai appris qu'il y avait Playmobil Knight et Playmobil Top Agent. Donc je vais pas non plus détailler ce qu'il est Top Agent. Je crois que ce sont des agents secrets, tout simplement. J'ai vu quelques images. Et Playmobil Knight, c'est des chevaliers. Voilà. Et je sais pas s'il y en a d'autres, mais voilà, c'est les deux jeux Playmobil sur DS que j'ai pu retrouver sur Internet. Et d'ailleurs, j'ai trouvé les émulateurs, les versions en émulation. Donc si jamais vous êtes d'accord pour une série Playmobil, on pourra continuer juste après ce Playmobil Pirate avec un autre jeu Playmobil. Il suffira de me dire dans les commentaires dès qu'on aura fini la fin de quand on sera arrivé à la fin de cette série plutôt. Donc bref, voilà, donc il y a d'autres jeux Playmobil, donc il n'est pas impossible que je puisse en faire. C'est à vous de décider si vous voulez en voir ou non, parce que c'est sur DS, donc encore une fois vous aurez un écran un petit peu mal réglé, vous aurez en format vertical, c'est pas terrible hein, je le sais. Putain, on est déjà à un quart d'heure de vidéo. Alors, le marchand de l'île des singes à trois têtes a perdu tous ses crabes, charge des crabes sur ton bateau et ravitaille-le. Go! Alors, c'est quelle île qui manque de crabes? C'est celle-là, d'accord. Ah bah tiens, bah, vu qu'on s'en dirige, vous voyez que là, on se dirige vers l'île des crabes volants. Ouais, c'est comme ça qu'elle s'appelle. L'île des crabes volants, bah on va acheter du crabe là-bas, tiens. Comme ça, c'est sur notre route, donc on va y aller. Par contre, j'ai l'impression que mon micro, je l'ai très mal réglé. Non, ça a l'air bon. Oh putain, je regarde même pas ce que je fais. D'accord.
Non, en fait, le micro, ça va. Je croyais qu'il était mal réglé, du coup... Oh putain, merde! Ah oui, j'ai... Ah, ma manette est bug. D'accord. J'ai cru qu'elle était éteinte, mais non. La manette a carrément bugué. Bon, alors, ici, il y a un marchand. Voilà, il y a du crabe, forcément. J'espère qu'il est pas trop cher chez toi. Ouais, ça peut aller. Combien je peux en prendre? Merde, j'en ai pris qu'un seul. Attendez. Ah, je peux en prendre d'autres. Voilà. J'ai aussi du rhum. Ah, ça, c'est super intéressant. Tiens, on va vendre le rhum ici. Voilà. Ça, c'est bon, du coup. Voilà. Oui, mais il faut pas oublier de faire un petit peu de marchandage avec, bah, avec Jean le marchand, loul. Jean le commerçant, même. J'avais un sujet, c'est venu comme ça à la dernière minute dans ma tête. J'avais un petit sujet à discuter avec vous. C'était quoi d'ailleurs? Ah oui, c'est par rapport au jeu tout simplement. Vous voyez que le jeu Playmobil Pirate et d'ailleurs tous les autres jeux Playmobil qui existent, comme Playmobil Knight et Tom Pageant, comme que je vous ai énoncé tout à l'heure. Vous voyez que ce sont des Playmobil qui sont disponibles seulement sur DS. Voilà, c'est des jeux exclusivité DS. Cool. On peut pas vraiment faire des exclus sur DS, hein, c'est un petit peu bizarre. Mais ce sont des jeux uniquement DS. Et je me suis imaginé un petit peu tel un jeu Lego, en fait. Vous voyez que les jeux Lego, ils sont disponibles sur toutes les consoles. Et je me suis dit, si un jeu Playmobil comme un jeu Lego était disponible sur d'autres consoles et sur PC, je pense que les graphismes seraient bien mieux que ceux de la version DS. Donc retrouve Paul au quartier général pour faire un point sur la situation. D'accord. Voilà, c'est le mouvement clandestin des pirates. Parce que regardez là les graphismes. Vous voyez là, c'est très sommaire, c'est très pixelisé pour vous, j'imagine. Puis comme on est sur DS, l'écran est très petit. Donc c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas de la HD ce qu'on a. Mais regardez les palmiers là. Je sais pas, il pourrait y avoir un coup de vent qui puisse les faire bouger, ou je sais pas, on pourrait voir ici le sable embarqué par un coup de vent aussi. Le drapeau au-dessus, là, il pourrait aussi flotter au vent. La mer, là-bas, elle pourrait être en mouvement aussi. Enfin, voilà, il y aurait moyen de faire plus d'animation que ce qu'il y a là sur DS. Le truc, c'est sur DS, en fait, on est très limité. Et j'imagine, j'ai pensé à ça tout à l'heure, j'imagine que si le jeu avait été disponible sur d'autres consoles, consoles de salon ou sur PC, je suis sûr que le jeu aurait été super beau comme un jeu Lego. Parce que vous voyez, les jeux Lego sur DS, ils sont assez horribles. Alors que les versions console sont bien mieux faites. Enfin, pour un jeu Lego, en tout cas pour des jeux Lego, les graphismes sont beaucoup plus poussés que sur un jeu DS. Enfin, que sur Nintendo DS. Et pour un Playmobil, donc là, ils sont uniquement disponibles sur DS. Mais je suis sûr que si un Playmobil avait été même disponible seulement sur Wii, je suis sûr que les graphismes auraient été bien mieux que sur DS, il y aurait eu plus d'animation, peut-être même, peut-être que le jeu aurait été grandement demandé sur console plutôt que sur Nintendo DS, ce que j'aurais évidemment compris. Donc il faut pas non plus dire que ce jeu est merdique, enfin voilà, il faut pas se plaindre de ce jeu parce que il est uniquement disponible sur DS. Enfin voilà, n'insultons pas le jeu parce que c'est Playmobil, ils sont pas très connus par rapport à Lego, ils ont fait des mauvais choix. Voilà, ils sont pas trop dans les jeux vidéo, etc. Le jeu est pas forcément très intéressant, même si moi j'ai passé mon enfance avec, donc j'ai envie de dire, comme pas mal d'entre vous d'ailleurs, hein. Comme je l'ai dit dans le dernier épisode, vous avez été nombreux à dire que... Putain, et je fais de la merde là. C'est l'île des crabes volants, donc il faut peut-être faire un petit peu gaffe quand même. Hop là. Donc voilà. Donc ce jeu est uniquement disponible sur DS, on va pas l'insulter pour autant. De toute façon, si les Playmobil avaient été un peu plus dans les jeux vidéo comme les jeux Lego, parce que vous voyez les jeux Lego au départ, enfin les Lego au départ c'était surtout des jouets et ça l'est toujours, et ils ont eu des soucis une année justement, il y a eu une période difficile justement, parce que les jouets commencent à ne plus intéresser grand monde, hein, on est tous d'accord là-dessus, c'est les jeux vidéo qui prennent la relève en quelque sorte, et les jeux Lego, enfin les Lego, ils ont réussi comme ça
à franchir le virage tout simplement des jeux vidéo. Donc c'est pour ça qu'on est passé des jouets Lego à des jeux vidéo Lego. Et c'est pour ça que Lego n'est pas en faillite aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont réussi à prendre le virage des jeux vidéo, hein, des nouvelles technologies et tout. Ce que Playmobil n'a pas forcément, peut-être pas réussi à faire, mais ce que Playmobil n'a peut-être pas prévu de faire, en tout cas, à la même, durant la même période. Bon, c'était juste anecdotique, hein, c'est parce que je me suis renseigné un petit peu sur comment a évolué les Lego, comment ont évolué les Lego. J'ai vu un petit peu le passage du jouet au jeu vidéo, donc c'était juste un petit renseignement. Et à mon avis, les Playmobil n'ont pas pris le virage du jeu vidéo, ce qui fait que voilà, ils ont en quelque sorte peut-être un petit retard et... C'est ça qui fait que ce jeu n'est peut-être pas toujours intéressant, parce que, je peux vous dire, il y a de nombreux fans de Playmobil comme il y a de nombreux fans de Lego. De toute façon, je vous en avais parlé, quelqu'un m'avait posé la question dans la vidéo des 3 ans, si j'étais plutôt Lego ou Playmobil. Bah moi j'ai envie de dire, je vous le redis en tout cas, les deux se valent, les deux valent ce qu'ils valent, hein, je l'avais dit en vidéo. Et du coup, voilà, je suis pas vraiment plus Lego que Playmobil et inversement. J'ai passé énormément de temps pendant mon enfance avec les Playmobil. J'ai eu quelques Lego également. Bon, aujourd'hui, je suis plus vers je suis plus dans le jeu vidéo que dans les jouets. Et je suis. Bon, je ne fais pas que jurer par Lego, mais voilà, je passe beaucoup de temps avec les Lego. Et moi, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de slalomer comme il faut pas. Voilà, mais on arrive. Ah merde, c'est pas là qu'il faut aller! Ah si, je crois que c'est de l'autre côté en fait. Il y a un trésor englouti tout simplement et ça doit être ici, entre les récifs. J'espère que c'est le morceau de carte qui se cache dedans, tiens. Comme ça on pourra mettre fin à l'épisode, il aura pas été trop long. On est à 22 minutes à peu près. Alors, bon, j'espère que la souris va pas bugger. Ah si, voilà. Oh là là, attention, attention. Mais ah, c'est pas moi, je vous jure. Eh mais, reste pas collé à droite toi, t'es con. Alors là, il y a un problème. Ok, dégage. Doucement. Ah, je peux... Merde, je l'ai touché. Saleté de hitbox, là. Il est trop sensible. Alors, je peux vous assurer que là, c'est pas moi qui ai fait bugger. De toute façon, j'aurais jamais été comme ça, tout à droite, pour rien. Alors, par contre, il faut que je fasse super gaffe, parce que j'ai plus qu'un seul cœur. Donc, si j'arrive pas... Voilà, il y a le coffre. Mais si j'arrive pas à remonter tranquillement en une seule fois... Oh, putain. Des fois, je peux vous assurer que... Le coffre me fait peur parce que dès qu'une méduse touche le coffre, des fois j'ai l'impression que... Ah bah c'est mort, on va tout recommencer, tiens. J'ai voulu tenter, j'ai fait le kamikaze, voilà. Non mais ça a très mal démarré, j'ai perdu un cœur, j'ai pas compris pourquoi. Et puis un deuxième, la hitbox qui m'a touché alors que c'est pas vrai. Alors attendez, voilà, toi t'es tranquille, voilà, tu vas vers la gauche. Moi j'aime bien aller à gauche. Donc un manque de concentration de ma part, hein. Je suis ultra concentré là, c'est pour ça d'ailleurs que je ne dis presque plus rien. C'est vrai que souvent ça bug, hein. Il fait gauche-droite et hop, il part à droite le personnage, c'est bugué, c'est l'émulateur. Alors attendez, eh merde, je manque de bulles. Oh joli, ça a foncé direct sur une méduse. Tiens, le coffre il est au même endroit, vas-y chope-le. Par contre je manque d'air. Ah, le souci c'est, vous voyez, par rapport à la Nintendo DS de base, putain je manque d'air. On va pas arriver jusqu'en haut avec. Oh, vite, chope. Non, oh non, mais non, mais, hé hey. Ah mais il y a une bulle là, chope là. Ah, je me suis noyé avant. C'est un fail encore. Ah, mais c'est complètement con ça. Il y a de la difficulté là, j'ai l'impression. Il y a moins de bulles d'air peut-être. Ou alors je fais pas gaffe et je les chope pas. Ou alors il y a plus de méduses et j'essaie de les slalomer, mais je pense pas à prendre des bulles d'air. Et là... Oh, oh, quoi, je l'ai touché. J'avais mon bras dessus, il a pas touché. Je suis passé au travers. Enfin, j'étais même pas dessus après. Et il m'a touché quand même. Putain. Attention. Le truc, c'est que je me dirige avec la souris. J'espère que vous entendez pas le clic d'ailleurs. Oh putain, il m'a pas eu. Chou, il est chaud alors. Le coffre, allez vas-y, mais hey, il me manque plus que 3 bulles d'air. Le truc c'est qu'il y a un décalage, vous le voyez également, il y a un décalage entre les deux écrans, l'écran supérieur et l'écran tactile, vous le voyez. Il y a un décalage, ce qui fait que j'ai du mal à voir où sont exactement les méduses dès qu'elles traversent les deux écrans. Ouais, voilà, c'est bon.
Alors que sur DS, ce décalage, vous l'avez évidemment parce que les deux écrans sont séparés. Donc vous voyez où est le décalage et vous pouvez anticiper. Là, je peux pas vraiment parce que c'est un peu mal fait, hein, cet émulateur. S'il y avait une barre au milieu, ça, j'aurais mieux anticipé l'arrivée des méduses. Donc, on peut continuer. Ah bah c'est le morceau de carte. Ah bah l'épisode est fini, tiens. Bon voilà, un épisode de moins d'une demi-heure, ça c'est parfait. Sekdos veut te soumettre à une dernière épreuve. Retrouve-le sur l'île des Bungalows Bancales. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive jusqu'à la fin de cette série, vous aurez droit d'écouter toutes les musiques. Il n'y a pas de souci, l'île des Bungalows Bancales, la musique est excellente là aussi. Bon, elle n'est pas aussi excellente que la musique de l'île du Soleil Échoué que je vous ai fait écouter en début de vidéo. Ah oui, parce que celle de l'île du Soleil Échoué, elle est vraiment... Elle est mythique, j'ai envie de dire. Si ce jeu avait été populaire, tout le monde aurait retenu cette musique. Ah oui, voilà. Ouais, parfait ça. Hop là, les tourbillons un petit peu partout. Vous voyez pourquoi il faut slalomer entre les rochers et pas venir ici? Parce qu'il y a des tourbillons de partout. Vous pouvez pas sortir tranquillement. Donc du coup, je vais longer le bord de la carte des Caraïbes. Ah d'accord, un monstre marin dans le coin maintenant. Ah, c'est la totale. Là. On va peut-être pas se refaire un épisode fail comme à l'avant-dernier épisode. On va peut-être pas se refaire des fails. Ouais, non, on va peut-être pas. Alors, on va juste rejoindre l'île. Ce que je peux faire aussi, d'ailleurs, pour le prochain épisode, c'est qu'on va custom le navire. Je vais peut-être acheter, d'ailleurs. Enfin, peut-être, on va essayer parce que là, on a le voilier depuis beaucoup d'épisodes. Je crois, depuis l'épisode 3, on a le voilier. Et ce qui serait bien, c'est d'acheter le dernier navire qui est disponible dans ce... Ah, bah tiens, c'est le rond de trésor englouti qui est caché sur cette carte. On l'a découvert ici, tiens. Ce qui serait bien, c'est d'acheter le dernier navire, le grand bateau pirate qui vaut 3000 pièces d'or. Encore un monstre marin, mais putain, mais on n'en manque pas ici. Donc voilà, il reste très peu de missions, si je me rappelle bien. Voilà, mission 59. Ah, quand même, il y a 70 missions, va falloir y arriver quand même. Bon, on est à l'avant-dernier morceau de carte, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve sur cette île, l'île des Bungalows Bancales, pour le prochain... troisième tourbillon que je me prends, là. Hop là. Enfin, le quatrième, je me suis pris un autre tout à l'heure deux fois. Voilà, et en plus je savais qu'il y en avait un ici, c'est un peu con d'avoir réagi comme ça. J'en peux plus pour cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cet épisode vous aura plu. On se retrouve bientôt pour l'épisode 8, du coup, parce que c'est pas fini. Hein. L'épisode 8, donc au mois de juillet, voilà, ce sera les grandes vacances pour une grande majorité d'entre vous. Moi également. Et donc, à plus tout le monde. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo, hein, surtout, si vous voulez encore donner votre avis sur le jeu, hein, me dire que c'est le jeu de votre enfance, n'hésitez pas à le dire. Je pense que les autres, ça les intéresse. Allez, à plus tout le monde !